Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un échauffement pour le dos. On commence dans une position debout, on place les mains dans le dos, tout simplement on fait les flexions du buste en avant. Observez bien la position du bassin, il faut pousser le bassin vers l'arrière. On descend et on inspire et on remonte, on expire. Ensuite, on va rajouter le mouvement des bras le long du corps. Surveillez bien la position du bas du dos. Il ne faut pas relâcher les omoplates. Il ne faut pas arrondir le bas du dos. Bien contracter vos abdos. On maintient la position avec le buste parallèle au sol. Ensuite, on ajoute des cercles des bras. On fait 8 dans chaque sens. N'oubliez pas la respiration. Ensuite, on va faire des mouvements des bras en alternance. Surveillez toujours la position du bas du dos et la position de votre bassin. Maintenant, on va travailler sur la mobilité du bas du dos et du bassin. On inspire, on creuse le bas du dos. Et en expirant, on ramène l'os du pubis vers le nombril. Rajoutez des rotations. On fait 16 dans chaque sens. Ensuite, on va travailler des vagues. On descend, on inspire, on remonte, on arrondit le dos, on expire. Très bien. Position suivante, jambes écartées. La même position du bassin, on essaie de placer le bassin vers l'arrière. Maintenez les jambes tendues. Si vous avez mal à l'arrière du genou, vous pouvez travailler avec vos genoux légèrement fléchis. On inspire au début du mouvement et on expire. Lorsque on lève le bras, on fait une petite torsion et on relève le buste. Ne relâchez pas les abdos, respirez. Et encore une fois, on va travailler la mobilité du bas du dos et du bassin. On creuse le bas du dos, on inspire, on ramène l'os du pubis vers le nombril, on expire. On ajoute des cercles, 8 rotations dans chaque sens. Terminé avec des vagues. On descend, on inspire, on remonte, on arrondit le dos, on expire. J'espère que vous êtes bien échauffé. Dans ma prochaine vidéo, on fera ces exercices avec les charges. Je vous souhaite une bonne séance. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.